Zoom là, je sais pas. 18 mon petit. Seigneur. Oh, oh là là. Je veux qu'on descende. Mais les enfants ici, vous ne pouvez pas ça, non? Non, aussi, la truc des Chinois. Hein. Toi, on t'a vu en Chine là. Voilà, les acteurs. Comment était le tournage? Non, le tournage vraiment ça s'est bien passé. Confiance. Voilà. Comment? Comme vous constatez, nous étions en plein tournage. Il y avait une scène devant la Fagnenti. On ne savait pas que Steve était là. Donc on a fini la scène. Steve nous a vu à travers ses caméras. Non, par contre, ne dis pas que je suis dans le parce que Pipi est venu aussi après. Oh. Ouais. Parce que depuis que je suis rentré, il y a plein de gens qui ne veulent pas qu'on sache que je suis là. Ils veulent me reposer. Ah oui, je suis fatigué. D'accord. D'accord. Voilà, donc, comme vous avez compris, donc, ici, à travers les caméras, nous avons en train de bosser là et que non. On vient d'abord prendre un truc là. Vous comprenez, là, sur la table. Les parcs de la Chine avaient beaucoup de choses. Donc, ça, qu'on va gérer là maintenant. Il y avait Rob le Grizzly. Le remède de Cool Blanc. Tu savais que c'est quoi dans leur projet? Tout le monde partout où on passe, ils savaient. Ouais. Même le truc qui t'avait Cool Blanc ici. Beaucoup m'ont connu là-bas et dit qu'ils m'ont connu là-bas. Oui. Voilà, je sais que les gars ont toujours à dire. On ne peut pas vous empêcher de parler, les gars. Parlez, mais c'est Dieu seul qui fait notre palabre. Donc, je profite pour vous annoncer ma nouvelle série web qui va bientôt être en ligne. Le Ben Skinner Malchanceux. Je crois que ceux qui me suivent depuis peuvent avoir l'idée de cette web série parce que j'avais d'abord commencé avant de laisser il y a de cela peut-être 3 ans. Voilà donc, j'ai décidé de reprendre avec ma série web. Et hier, on avait une scène du côté de Kolfulu, dans la zone de la Fagnente, où il y a Steve Fa. On ne savait même pas qu'il était là. Je suis venu garer devant sa barrière pour plus de sécurité avant d'aller au tournage. Et à travers ses caméras, il nous a donc vu. Et il nous a appelé après le tournage que les gars venaient quand même
on discute un peu avant que vous rentrez. Donc, comme vous avez constaté tout à l'heure, on était dans son bureau. Et après, nous sommes descendus pour qu'il nous présente un peu l'espace de la piscine. Voilà, la Fagnente. On était donc là-bas, comme ça, comme vous pouvez voir, avec mes acteurs. J'étais avec Rob, le Priestley, qui a accepté de m'accompagner dans cette aventure que vraiment, qui débute déjà très bien. Donc, nous étions avec Steve. Voilà. Et on s'est échangé. On a parlé un peu de beaucoup de choses. Voilà. Il nous a aussi donné certaines idées, comme il pense aussi, avec son expérience. Voilà. Donc, on s'est échangé. Il était question de créer un espace où on pouvait s'asseoir et partager un peu cette bouteille de whisky qu'il nous a offert. C'était cool. C'était très, très cool. Et voilà. La soirée s'est très bien passée. Donc, les gars, je vous donne rendez-vous d'ici quelques heures pour déguster l'épisode 1. C'est juste pour faire rire. Ce n'est pas la série de Nollywood ou bien... Non. C'est vraiment un truc de divertissement. 4 à 5 minutes maximum. Donc, restez connectés. Sans vous, je ne suis rien. Merci de partager la vidéo. Abonnez-vous. Contactez directement Yoko Service. Voilà, chers parents, en fait, comme Franco, je suis bel et bien à Yoko Service. Ces parents qui n'ont pas assez de temps, commandez juste les fournitures scolaires de vos enfants et la livraison est faite à domicile. Surtout mes frères de la diaspora, là, finis avec les anas, les oncles et les tantes. Il suffit juste de contacter Yoko Service et on vous livre à domicile. Vous êtes parent et vous voulez faciliter vos achats scolaires cette année, Yoko Service est là pour vous. Imaginez, vous inscrivez votre enfant à l'école et on vous remet une longue liste de fournitures scolaires. Pas de panique! Avec Yoko Service, vos achats scolaires n'ont jamais été aussi simples. Filmez simplement la liste des fournitures avec votre téléphone et transférez-la à Yoko Service via WhatsApp. Notre équipe se charge de tout. Constituez votre commande avec précision et soin. Et voilà, votre commande est livrée directement chez vous. Avec Yoko Service, facilitez-vous la vie et profitez de prix défiant toute concurrence. Yoko Service, imprimerie et papeterie. Contactez-nous dès aujourd'hui via WhatsApp pour des achats simplifiés et une livraison rapide.